Salut tout le monde, c'est Bob Ours, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des péripéties de The Authority. Normalement, si je calcule bien, on est à la 20e partie, je crois. 20e ou 19, enfin dans ces eaux-là. Après, comme vous le voyez, il y a beaucoup de parties, donc c'est un peu dur à suivre. Donc on avait vu la dernière fois que j'ai affronté Zack Ryder avec Triple H et The Rock avec Kane. Donc on n'attend pas plus longtemps et on lance directement le match. Donc c'est un match Extreme Rules, hein, donc je vais directement prendre une chaise et leur marave la face, hein, comme ça je vais être plus vite tranquille. Par contre, une chose est sûre, hein, je suis désolé de vous l'apprendre les amis, mais pour ma prochaine péripétie sur un jeu WWE, je continuerai à ne prendre qu'une seule superstar. Parce qu'avec 3, c'est trop long. C'est trop long. Et là, c'est pas Stéphanie qui me fait perdre du temps, on va dire. Je pense que la prochaine fois, j'en prendrai qu'une. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Déjà pour vous, hein, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi aussi, quoi. Comme ça, je n'aurai à me concentrer que sur une seule superstar, un seul titre. Et voilà. Et je vous l'avoue aussi, si je n'étais pas en train de filmer les péripéties, si je jouais tranquillement tout seul chez moi, eh ben, je crois que je les aurais abandonnés pour attaquer des péripéties avec Batista. Enfin, j'aurais recommencé du début et j'aurais fait avec Batista. Vu qu'il fait bientôt son retour et j'aurais tenté d'être champion du monde avec. Et voilà, directement. Bah ouais, Zack Ryder, je te laisse pas le temps d'arriver sur le ring. Je peux pas la prendre la chaise, c'est bizarre. Allez, ah mince. Allez, prends-la la chaise. Je vais la récupérer de toute manière. Mince. J'ai un peu mal visé. Et quand même, j'ai l'air d'avoir subi pas mal de dégâts au torse. Hein. Pourquoi j'ai perdu tant de vie que ça? Je comprends pas. Vous avez vu les dégâts que j'ai? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais non, attaque-le! Something snapped inside that brain.
Mamas. Allez. Voilà. J'allais dire, je l'ai bien marave. Pas tant que ça. Hein. Ah non, pas ma première défaite avec Triple H. Ah non, je ne suis pas d'accord. Surtout que j'ai démarré avec beaucoup de vie en moins et je sais pas pourquoi. Avouez que c'est quand même bizarre. Hein. Mais il me contre tout en plus, cet enfoiré. Mais... Non. Mais... Oh. C'est pas possible. Celui-là, franchement, il me laisse pas réagir. Hein. Ouais. Est-ce que ça va suffire? J'espère. Parce que là, j'avoue que Zack Ryder m'inquiète un peu. Un, deux, trois. Ah non! D'accord. D'accord, j'étais pas du tout en train de m'enfuir, c'est pas grave. Et non, putain, dégueulasse. Première défaite avec Triple H, face à Zack Ryder en plus, c'est la honte. Mais bon, c'est pas dramatique. N'empêche, je comprends pas, enfin, si vous avez une explication, pourquoi j'ai démarré avec si peu de vie, alors que c'est moi qui l'ai attaqué au début du match. J'ai pas compris. Bon allez, qu'on enchaîne avec le prochain match. Ça, c'était pas un match pour le titre, alors c'est pas dramatique non plus. Donc je fais prochain match, comme ça, j'enchaîne directement avec le match entre Kane et The Rock. Ça, on perd pas de temps.
contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the corporation, weighing 323 pounds, the WWE Champion, King. And if you want to know how popular this superstar is, just listen to these cheers. Ah, je crois qu'ils affrontent pas The Rock. N'empêche, ça fait très crédible là, Dolph Ziggler qui démonte The Rock. Eh bien, bon, t'attaques directement avec un coup spécial, c'est dégueulasse. Et putain, ma barre de finition se remplit super vite. Bon. D'accord. Oh, raté. Ah, t'es vert là. Ah, t'es vert, t'as raté ta prise de finition, Dolph Ziggler. Ah, t'es vert là, hein. Foiré. Oh, je suis content de moi, pour une fois, je compte une prise de finition. Arrête de toujours tout contrer. C'est pénible. Ah, il contre vraiment tout, hein. D'accord. C'est moi qui t'attaque, mais c'est toi qui prends le dessus sur ta prise. Ok. Allez, monte. Allez, lève-toi. Et j'enchaîne avec mon choc slam. Ah non, deux, mince, écoutez, j'y ai cru. Tant pis, hein, je vais te soumettre avec mon coup spécial si je peux. Si j'y arrive. Ce qui est moins sûr vu que tu contres tout. Raté. Non. Oh mais... Scrogneugneux. Et voilà. Normalement, je devrais pouvoir le faire abandonner. Ah non, il avait le... Le truc où j'ai encore oublié le nom.
c'est pas grave. Tu prendras juste un deuxième chokeslam. 1, 2, 3. Parfait. Donc voilà, une défaite sur deux pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et une défaite avec Triple H quand même, hein. C'était jamais arrivé encore. Et raté. Au revoir, Dolph. Alors, quel prochain match qui nous attend? Ah bah tiens, un match contre Justin Gabriel. Et encore un match contre le Rock. Je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ça, je pourrais enchaîner le match. Directement. C'est parti.
pauvre Justin Gabriel, enfermé dans une cage avec Triple H. Pauvre de lui. C'est parti. Oh, mais décidément. Je préfère des beaux enchaînements, mais je me fais contrer un peu trop souvent. Voilà. Oh bah normalement, le premier pedigree devrait lui suffire à lui. Pas attendre plus longtemps alors. Parfait. Ça là, je vais enchaîner directement avec le match. Triple A, Triple H, Kane, The Rock, je veux dire. Faites Triple H, t'es content.
approaching the ring from Miami, Florida. Weighing 260. Ah là, j'ai l'air de vraiment affronter le Rock. Ça va être parti, les amis, pour ce match d'anthologie. Tu parles d'un match d'anthologie, c'est juste Kane le Rock, hein, Bobo, t'emballe pas. Il commence même très très bien pour moi, ce match. Je veux voir un truc. Je me rappelle même plus ce que je voulais voir. C'est pas grave. Je perds la boule. Il paraît que ça se soigne très très bien. Allez, couchez. Oh non, mais c'est pas possible. Je vais rien réussir à contrer dans ce match. J'ai un mauvais pressentiment. Dis adieu à ton dos, le Rock. Allez, Kane. J'ai une petite soif. Après ce match-là, j'irai me chercher à boire. De toute façon, après ce match-là, j'arrêterai pour la partie. Enfin, j'arrêterai pour cette partie. Mais... je fais de la merde. Lève-toi. Yeah. Allez, on veut tous voir le people elbow de Kane. Et voilà, humiliation ultime. Est-ce que ça aura suffi? 1, 2, ah non, j'ai cru.
looks like a cat playing with his dinner. Rock goes behind. He's still not through. Big elbow. And there's the reversal. Ah, mais mince. Excusez-moi, j'ai mis pause pour tousser. Ah non. Non. Et ça y est, road break. Je crois que normalement je l'avais pas eu ce succès. Pourquoi je débloque pas le trophée? De toute façon je vais perdre. Ah si. Faut pas trop que je cours vers lui, parce que sinon je vais me faire prendre un... Enfoiré. Il a tenté le chokeslam, il a raté. J'ai quand même débloqué le trophée. Hein. C'est un trophée tout simple, mais j'avais pas encore eu... Oh l'enfoiré. Et voilà, je t'étrangle. Couché. Et voilà, tu vas te prendre un chokeslam et tu vas arrêter de me faire chier. 1, 2, 3. Parfait, les amis. Donc, on va voir le prochain match, enfin le match qui nous attend pour la prochaine partie, et on va s'arrêter là. Ah tiens, cette vidéo là, c'est la première fois que je la vois. Ah, foiré Dolph Ziggler. Il va me primer le titre sur la face, ouais, je m'en doutais. Salopard. Donc allons voir ce match qui nous attend. Encore les mêmes matchs. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.